Coucou les filles, je vous reviens vous faire enfin la vidéo suite, donc sur les cadeaux de Kitty, parce que hier la vidéo m'a encore coupé. Donc franchement, je comprends pas ce qui se passe. Bon, bref, c'est pas grave, peu importe, on l'a refait ce soir, c'est le principal. Donc, on en était hier à Antibes et Kitty, The Kittyline, donc qui m'a envoyé, vous l'avez vu hier, donc le Hopi Hag, le pirate des Caraïbes, que je vous avais swatché, je l'ai toujours pas enlevé parce que. Parce que je suis une naze, hein, voilà. Donc, dans les cadeaux Kiko qu'elle m'a fait, qui sont trop top, il y a, pour commencer, un premier vernis à ongles. Donc, c'est le numéro 346. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer le numéro, on ne voit rien. Donc, de chez Kiko, qui est un espèce de bleu d'hiver. Comment j'appelle ça, bleu d'hiver qui est juste, juste trop, trop beau. Enfin, franchement, il a l'air d'être une couleur velours magnifique. Et je pense que... Là, pour l'automne et pour l'hiver, ça va être vraiment une couleur facile à porter, très très jolie. J'aime vraiment cette couleur. Donc là, trop trop contente. Donc celui-ci. Ensuite, non mais Kitty, je ne la connais pas personnellement, mais on dirait qu'elle me connaît quoi. Parce que déjà, celui-ci, j'adore. Et ensuite, elle m'a offert le 240 de chez Kiko. Voilà. Donc il y a un rouge pas vif. Il est un petit peu rouge grenat. C'est pas un rouge Hermès. Mais franchement, il est sublime. Donc, je vous les swatcherai. Je vous montrerai un petit peu, je vous montrerai ce que ça donne. Et franchement, trop beau. Donc, trop, trop contente de ces deux couleurs qui sont juste sublimes. Et parce que c'est pas fini. Donc, là, c'est une édition spéciale, je pense. Donc, là, c'est de la gamme, je sais pas si vous voyez, de la gamme Frozen. Voilà. Et c'est le numéro 6. Donc, vous voyez, ils sont pas pareils. C'est-à-dire que celui-ci, c'est écrit en or. Il y a écrit Frozen dessus. Alors que les autres, voilà, ils ont le bouchon noir, il y a écrit Kiko en blanc, donc ça, je pense que c'est la gamme classique. Et ça, voilà, c'est une collection un petit peu particulière. Et donc, en fait, on ne voit pas du tout la caméra parce qu'il fait sombre encore. C'est un espèce de bleu, bleu nuit, juste trop beau. Je vous swatcherai aussi un petit peu que je vous montre ce que ça donne. Mais magnifique. Donc, franchement... Enfin, même avec le OPI, je suis trop contente de tout ça, de tous ces petits cadeaux. Et je suis encore enfin, extrêmement touchée. Et je trouve ça enfin, magique de chez Magique. Ensuite, mais vraiment, Kitty, j'ai l'impression que tu me connais, quoi. Bah voilà, elle me fait tester donc, une ombre à paupières. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si c'était passé dans la vidéo. Ce sont mes premiers produits Kiko. Sachez que vu que, je sais pas si ça aussi je l'avais dit, mais je sais plus si c'était enregistré ou pas, vu que j'ai encore une semaine de vacances, bah, la semaine prochaine, c'est décidé, je descends à Antibes. Et voilà, et je vais à Kiko, c'est clair et net. Donc parce que pour celles qui sont dans le sud, donc moi vous le savez, je suis dans le 04 à Manosque, non loin de Aix-en-Provence. Donc pour toutes les sudistes, bah, pour nous le plus proche c'est Cap 3000, le gros centre commercial Cap 3000 à Antibes. Voilà, le Kiko le plus proche pour l'instant c'est celui-ci. Moi j'aimerais bien qu'ils en fassent un Manosque, mais bon, ou à Aix, mais bon, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être prévu. Donc pour l'ombre à paupières, la Kiko c'est une comme ça. Donc c'est une mat, ce qui tombe bien parce que moi j'adore les mats. Je préfère les mats aux irisés. Et je vais vous montrer. J'ai même pas envie d'user tellement elle est belle. Et donc c'est pareil, c'est un espèce de bleu canard, bleu d'hiver qui est juste, juste magnifique. Et je vous laisse juste, voilà, comprendre que ça et ça, c'est juste sublime, voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, pour l'ombre à paupières c'est la 115. Voilà, et ce que je trouve super, c'est que chez Kiko, mais même pour celles qui filment comme moi avec leur webcam, et bien, on voit très très bien ce que ça donne. Donc bah écoutez, voilà pour Kitty, donc qui m'avait offert tout ça comme je vous l'ai montré hier, donc dans la pochette dans un rouge. Non, attendez, j'ai oublié le savon. Oui, il y a un soap aussi, donc le Banana Moon Soap. Voilà, donc vous n'allez pas voir, bien sûr, mais c'est grave. Donc c'est un savon en fait à la banane, donc je vais l'essayer, je ne l'ai pas ouvert encore parce que je voulais vous le montrer emballé et je pense qu'il doit sentir divinement bon. Sachez que l'odeur banane c'est comme le goût banane dans les glaces, c'est ce que je préfère, voilà. Monoï et banane c'est ce que je préfère. Et, enfin, monoï pas pour les glaces, hein. Ce sera compris, mais pour les savons c'est trop top. Donc voilà, tout était là-dedans. Dans cette jolie pochette qui va me servir pour mettre sans doute des bijoux ou du cos, je ne sais pas encore. Voilà, tout était à l'intérieur, donc vraiment trop 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 contente. Kitty, je te fais vraiment mille bisous, je suis très 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 touchée encore de toutes ces attentions. Et voilà, encore un beau cadeau d'anniversaire qui arrive un petit peu en avance.
Mais c'est pas grave du tout, du tout. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'étais dans la paperasse encore et encore ce matin, préfecture, machin et tout. Mais ça y est, je vois le bout du tunnel et il y aura encore demain un peu de garagiste et puis après ça ira. Je suis allée chez Yves Rocher et j'ai fait quelques achats, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous les présenter. Je vous fais de gros 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 bisous les filles. Ma petite Poppy chérie, je te souhaite le meilleur des anniversaires que tu puisses avoir. Je suis sûre que tu vas être extrêmement gâtée. Tu vas l'être de ma part aussi, mais pas tout de suite. Ça sera un anniversaire un peu en retard parce que je veux quelque chose de bien spécial pour toi et je ne peux pas là tout de suite récupérer cette chose. Surprise. À suivre dans un prochain épisode. Mais toutes mes pensées vont vers toi aujourd'hui. Faites ça dignement, mais pour ça, je te fais confiance. Et puis, bah, écoute, tous les meilleurs pour toi et que tous tes vœux se réalisent. Je sais que ça fait bateau, mais c'est vraiment ce que je pense. Que toutes les plus belles choses arrivent et puis plein de bonheur à tes deux poupées et à ton époux. Voilà, et que tout roule pour vous quatre. Allez, des bisous à vous toutes les filles. Je vous souhaite à vous aussi hein, la même chose que du bonheur. Et ma Sophie, je t'embrasse de tout mon cœur et le reste, tu le sais. À bientôt!